Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le dernier tutoriel de la semaine Halloween et on va voir ensemble comment réaliser ce petit fantôme. Alors pour ce tutoriel, il vous faudra uniquement de la pâte blanche, il vous faudra des feutres ou des promarqueurs et il vous faudra une petite boule. Ici c'est une boule en polystyrène, vous pouvez prendre aussi une boule de confetti de fête ou sinon utiliser une vieille pâte, une boule de pâte de pâte d'orque. Donc voilà, vous allez prendre votre pâte blanche et vous allez venir l'étaler comme ceci. Et puis on va venir la déposer sur le dessus de la boule. Et puis on va venir un petit peu élargir donc pour les bras. Et puis on va venir froisser un petit peu la pâte polymère pour pouvoir lui donner un effet de fantôme. Donc vous voyez comme là j'ai utilisé une boule en polystyrène qui est déjà pré-percée. Donc vous pouvez prendre aussi une boule en papier. Donc vous percez votre boule. Vous venez passer votre tige à œil à l'intérieur. Enfin, si vous n'en avez pas, vous n'êtes pas obligé d'utiliser une tige à œil. Vous pouvez prendre aussi un fil de fer. Et puis on va venir le passer comme ceci à l'intérieur de la boule. Et puis là, on va venir commencer à froisser un petit peu le drapé de ce fantôme pour pouvoir lui donner donc une forme de fantôme au niveau des bras. Voilà, vous venez coller les pattes entre elles. Et puis ensuite, vous venez découper un petit triangle sur le bas du fantôme pour lui donner donc la forme de ce petit fantôme. Donc voilà, vous drapez un petit peu votre fantôme, rien de plus simple. Une fois que vous avez fait ceci, il ne vous reste plus qu'à passer tout simplement votre création au four, toujours à 110 degrés pendant 30 minutes. Donc ensuite, libre à vous de lui faire la tête que vous voulez. Donc là, vous voyez, j'utilisais un pro marqueur de couleur noire. Vous pouvez aussi utiliser les twin marqueurs de chez Action. Là voilà, je lui ai fait deux yeux, une bouche avec quelques dents. Je lui ai mis des petits fards orange de chaque côté. Donc j'ai utilisé deux couleurs, du orange et du noir, voilà, pour lui réaliser une petite tête sympathique. Donc ensuite avec la petite tige, cela vous permet de réaliser donc une petite boucle avec une pince à bourreau. Vous formez une petite boucle, comme ça si vous avez envie de vous faire un petit collier pour votre soirée Halloween, c'est possible aussi, ou sinon de l'utiliser donc comme objet déco. Donc voilà pour ce dernier tutoriel de la semaine Halloween, ce petit fantôme tout facile et tout simple à réaliser. J'espère que cette semaine de tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, ben n'hésitez pas à liker puis à me laisser un petit commentaire. Et puis on se retrouvera très très vite sur la chaîne pour encore plein de nouvelles vidéos. Je vous dis à bientôt. Ciao !